Voilà ici le paquebot, le Titanic, un paquebot de légende qui a une très longue histoire, une histoire tragique d'ailleurs. Comme je le signalais dans mon blog au début, ce bateau est navigant. C'est une maquette que j'ai construite moi-même en partant de plan. Je vais faire fonctionner les moteurs. À l'arrière, trois hélices, dont une hélice centrale trop petite, ce qui a pu occasionner le naufrage. Le gouvernail, également trop petit, aussi une cause du naufrage. Lorsqu'un paquebot rentre dans un port, il fait aller sa corne de brume. L'éclairage. Dans un moment, je vais éteindre quelques lumières pour qu'on ne voie plus le système d'éclairage. Les cheminées. Le Titanic avec trois cheminées qui fumaient. La quatrième ne servait que de décoration, d'équilibrage du bateau et également d'aération pour l'intérieur du bateau. Les chenils étaient en dessous. Les Anglais aimant beaucoup les animaux, et ils avaient mis les chenils en dessous de la cheminée. Ceux qui ont vu le film Titanic vont se remémoriser un peu la musique. Maintenant, je vais arrêter tous les systèmes.